Salut à tous! Aujourd'hui, je reviens pour vous parler du site Dresslink. Aujourd'hui, je vous parle du site Dresslink, qui est un site de vente de vêtements en ligne, qui est basé en Chine. On en entend beaucoup parler sur la toile. Je l'ai connu grâce à une vidéo de Kiyu, Laura. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc en fait c'est un site qui vend des vêtements chinois pas chers. J'ai énormément commandé, j'ai Salem qui est en train de tout toucher. J'ai énormément commandé, donc en fait j'ai fait une sélection de plusieurs vêtements pour vous montrer un petit peu l'étendue de ce que vous pouvez y trouver. J'essaierai de vous trouver les liens de chaque article pour vous les mettre en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller directement dessus. Donc en fait ce site, c'est un site où il y a énormément de choix, on passe des heures à regarder tous les articles parce qu'il y en a vraiment énormément. Vous allez voir que les prix sont dérisoires. Par contre, il faut faire très attention parce qu'en fait, à ce prix de base, s'ajoutent les frais de transport, les frais de port donc, et peut-être les frais de douane. Donc si vous voulez passer outre les frais de douane, je vous conseille déjà de vous faire envoyer votre commande par, je crois que c'est Hong Kong Post ou China Post, enfin un truc comme ça. C'est les premiers, qu'on trouve. La durée de livraison est beaucoup plus longue, mais vous êtes presque sûr de ne pas avoir de frais de douane. Alors moi, je suis passée plusieurs fois par FedEx, et FedEx, vous êtes sûr d'avoir des frais de douane à chaque fois. J'ai dû commander par FedEx parce que j'avais besoin d'avoir un suivi et en plus j'avais besoin d'une livraison rapide parce que moi j'ai utilisé ces vêtements pour, comme costume pour mes spectacles de fin d'année, pour mon spectacle de fin d'année, pardon. Parce qu'en fait les prix sont quand même vachement intéressants et du coup comme je commande en grande quantité, j'ai fait une espèce de partenariat avec eux. Donc j'ai des prix un peu moins élevés, déjà qui sont bas, j'ai des prix encore plus bas. Parce que j'ai commandé en grosse quantité, j'ai eu des commandes de 700 et quelques dollars, donc voilà, c'est pas rien. Donc par contre, je vais vous montrer une sélection de vêtements que j'ai commandé pour moi, donc pour tous les jours. Et aussi, à l'intérieur de cette sélection, vous aurez les vêtements que j'ai utilisés comme costume. Donc on va commencer par les accessoires. Donc j'ai pris des écharpes. Vous savez, c'est des écharpes en un seul morceau, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais franchement, j'adore ça. Alors celui-là, il est particulier, enfin, il est couleur... Elle est couleur corail, il y a des petites boules, la maille est un petit peu différente des autres, ça fait des petites boules, et voilà, donc je trouve que ça coûte 3-4 euros, c'est vraiment une misère. Donc j'en ai pris une corail, j'ai pris une blanche, en fait j'ai pris plein de couleurs parce que ça franchement l'hiver j'adore ça, j'ai pris une grise, pareil hein. J'ai pris une rouge, j'ai même une noire que j'ai pas là, mais enfin voilà, vous imaginez à quoi elle peut ressembler. Voilà, pour ça franchement c'est top, c'est vraiment pas cher et la matière est douce et tout, donc c'est équivalent à ce qu'on peut trouver à facile 10-15 euros chez Pinky ou ailleurs. Ensuite j'ai pris des blazers, mon butin est un peu loin. J'ai pris des blazers, alors celui-là, quand je l'ai vu j'ai fait « Oh mon dieu !» En fait, je l'ai sur le site, il s'est toujours bien présenté sur le site. Quand j'ai reçu ça, j'ai dit quand même ça fait mal aux yeux. Mais finalement, porté, je trouve que ça rend pas trop mal. Parce qu'il est vraiment bleu et jaune fluo, quoi. Mais bon, je trouve qu'avec ce collier là, par exemple, ça va très bien. Enfin, du moins, ça accessoirise bien le truc avec un haut noir tout simple ou blanc et un jean, ça peut le faire. J'ai déjà porté et c'est pas si choquant que ça. J'ai pris celui-là, et celui-là je le trouve très très beau, très original, il a une coupe vraiment sympa. Là il est fermé avec des petits crochets comme des crochets de soutien-gorge en fait, donc il est très cintré. Moi je remonte un petit peu les manches parce que sinon les manches sont un peu limites. Alors pour les tailles, c'est assez particulier, ça taille très petit, c'est du chinois, hein. Donc ça c'est du XL et ça me va juste quoi, c'est vraiment, je suis pas large dedans. Hein. Et l'autre, celle que je viens de vous montrer, c'est du L. Voilà, mais l'autre, en fait, les manches arrivent là, donc c'est cintré, mais ça se voit pas trop. Donc voilà, celle-là, c'est du XL. La matière est très agréable, c'est un peu stretch, donc c'est vraiment agréable à porter. Je vous l'avais déjà vu dans une de mes vidéos, je l'ai porté, je sais plus pour quelle vidéo. Je crois que c'était le tag All About Face. J'ai pris la même veste en bleu. Alors c'est un bleu très très vif.
Par contre, c'est la première que j'ai commandée et je l'ai pris en taille L. Et là, les manches sont un peu courtes, donc bon, je les retrousse et ça passe. C'est la même coupe. Hein. Le bleu est assez particulier, mais c'est voilà, il est sympa pour l'été, pour mettre le soir, c'est sympa. Alors après, je vais vous montrer une chemise qu'on a utilisée pour mon spectacle de fin d'année. C'est une chemise mais comme on fait maintenant, hein, les chemises à carreaux un peu hipster. Elle est épaisse, hein. Bon, c'est vraiment comme les chemises qu'on peut trouver maintenant chez Jennifer, chez Pinky. Hein, voilà, elle a rien de plus, rien de moins, la matière est bien, elle tient bien chaud d'ailleurs sur scène, on a bien souffert. Alors ça par contre, voilà, ma taille c'est du XL aussi, hein. Donc faut pas complexer parce qu'on prenait du XL chinois, hein, parce que ça correspond à peut-être du M français quoi. Voilà. Elle existe en plusieurs couleurs il me semble, et donc nous on a choisi celle-là. Je crois que celle-là ils appellent ça la rouge, hein, mais voilà. Une chemise de style bûcheron. Alors toujours dans ce qu'on a pu utiliser sur scène, il y a cette petite tunique qui est noire, un peu en voile ou en crêpe, je sais pas comment, en quelle matière ça c'est. Elle est évasée, elle est très fluide. Alors par contre, si vous avez des pêches, c'est pas pour vous, parce qu'apparemment les filles qui ont un peu de seins, ils ont quand même plus que moi, c'est pas difficile. Elles ont été un peu serrées dans une taille unique. Hein. Mais bon, franchement, sinon, pour le prix, je sais plus combien j'ai payé ça, mais enfin, c'était, à mon avis, c'était en dessous de 5 euros. C'est vachement sympa, quoi. Très vaporeux, on est super bien dedans, elle est assez longue. Voilà. Et avec, alors attention, parce que ça, voilà, pour mettre dans la rue, non. Enfin, en tout cas, moi, je ne le mettrai pas. Ça, on l'a utilisé pour un spectacle. Et c'est un legging avec de la dentelle. En fait, il y a des empiècements en dentelle et des empiècements... plein en imitation un peu sky là, hein, brillant, et ça donne ça. Donc c'était pour mettre avec, on a fait un truc un peu charleston et du coup ça allait très bien, et voilà, ça rend ça. Alors par contre, voilà, ça aussi c'est une taille unique, donc hein, si vous avez l'habitude de prendre des grandes tailles, c'est un peu serré, enfin pour moi ça allait. Que dire de plus, oui, franchement ça vaut une misère à côté de quand on va, parce que ça en fait on trouve dans les sex shops ou les magasins comme ça quoi. Donc là le prix est vraiment dérisoire à côté, parce que bon, déjà dans le sex shop on se paye la honte pour y rentrer, on paye genre 25 euros juste pour dire ouais, t'as été dans un sex shop, du coup ça vaut plus cher, et en fait ça vaut pas le coup parce que là on les trouve beaucoup moins chers et c'est exactement les mêmes quoi. Voilà. Après, alors le repassage, c'est pas mon truc, là c'est un petit peu froissé, un peu beaucoup même. Il y a cette chemise qui est en jean avec un empiècement léopard en voile derrière. On me voit à travers, coucou. Voilà, donc celle-là en fait les manches sont courtes mais elles se retroussent avec un bouton. Et voilà, elle est sympa, ça c'est une taille. C'est une taille unique, oui, c'est une taille unique. Et donc ça va juste, hein. Par contre, bon, c'est un peu dommage, elle est coupée vraiment droite, ça fait pas vraiment liquette, mais bon, voilà, elle est quand même sympa. Après, j'ai pris un pull que j'ai mis cet hiver pour le ski. Il est super sympa avec une petite chouette là au milieu. C'est une maille avec des poils là, enfin, c'est tout doux. Ça tient bien chaud, c'est vraiment tout fluide, enfin, c'est agréable à porter. Alors, il y a une étiquette Zara, on va dire qu'on l'a pas vue. Hein, voilà, donc je sais pas s'il y avait ça en vente chez Zara, s'il y en a qui l'ont vu, dites-le moi et dites-moi le prix, parce qu'en fait ça devait être beaucoup plus cher que ça. Et j'aime beaucoup ce pull, c'était vraiment sympa pour cet hiver. Après je mettrais pas trop ça pour tous les jours, je trouve que c'est un peu épais. Maintenant après hein, chacun met ce qu'il veut finalement, mais pour le ski j'ai trouvé ça vachement joli et enfin, ça faisait un petit truc un peu plus habillé, un peu plus classe pour skier. Un gros coup de cœur sur ce site, bah d'ailleurs je l'avais vu sur la vidéo de Kiou justement, c'est ce pull. Donc devant il est tout simple et derrière il y a un empiècement en dentelle à fleurs. Et alors par contre celui-là il faut prendre de très grande taille, sinon c'est trop petit. J'ai pris un L au départ et vraiment c'est limite quoi, les manches elles arrivent au bord, c'est très court. Là j'ai pris du XL et je suis beaucoup mieux dedans. Voilà, donc j'ai pris le gris. Et après, ils ont été sympas. Ils ont mis d'autres couleurs, parce qu'au départ, il n'y avait que celui-là. Et ils ont mis un corail,
Non, pardon, c'est pas corail, c'est rose fuchsia, mais là il est au sale, donc je peux pas vous le montrer. Et un jaune fluo, là, enfin c'est un peu vert jaune, je sais pas, c'est plutôt vert fluo. Donc voilà, c'est le même. Et bon, je trouve que c'est sympa. En plus, bon, moi je suis souvent habillée en tenue de Zumba et les tenues de Zumba sont très flashy, donc ça, ça va bien par-dessus. Voilà, donc c'est le même, hein, mais en vert fluo. Et voilà, ça doit coûter quoi, 4€ ou 5€. En plus, c'est pas très épais, donc pour le printemps et l'automne, c'est bien. Bon, surtout moi, j'habite Nice, hein, donc il fait bon quand même. Après, j'ai pris un combi short. Alors celui-là est très joli, par contre, ben, sa taille vraiment, c'est just quoi. Moi, celui-là, je l'ai porté pour un spectacle, mais je pouvais pas le fermer, donc j'ai mis quelque chose en dessous pour faire genre. Mais voilà. Donc c'est un combi short qui peut se séparer. Donc là, il y a une fermeture éclair pour enlever le short. Donc on peut séparer les deux parties. Mais voilà, on n'est pas super large dedans et ça c'est une taille L. Et je crois que c'est la seule taille qui est restée, il y avait XL mais du coup j'ai pas pu prendre XL. C'est tout en stretch, ah c'est super joli hein. Mais bon après voilà, quand on a un peu des formes, c'est un peu dur d'y rentrer. Alors le truc, il y a une feinte dans ce truc. C'est que les boutons, ils sont les passants des boutons, ils sont cousus. Donc en fait quand on veut fermer le truc, on peut pas. Il faut vraiment les couper pour pouvoir fermer sa combi, donc ça faut le savoir avant, faut pas le mettre dans la précipitation, sinon c'est pas possible. Voilà, et il y avait une ceinture orange flashy dessus que j'ai enlevée pour le spectacle et je sais pas où je l'ai mise, donc voilà. Après, toujours dans ce que j'ai utilisé pour le spectacle, il y a une robe. On a mis ça pour faire le twist, donc un truc un peu années 50-60, et franchement elle rend super bien. Alors apparemment, d'après ce qu'on a vu, parce que j'en ai quand même commandé une trentaine, il y en a certaines qui avaient quelques malfaçons, enfin le tissu n'était pas cousu droit, ou, enfin voilà, le jupon était tordu. Enfin bon, franchement, sur l'ensemble, ça rendait bien. C'est fermé derrière avec une fermeture éclair. Bon, pareil, apparemment, quand on a de la poitrine, c'est un peu juste pour y rentrer. Moi, j'avais une taille L et ça m'allait, même grand, j'aurais pu prendre M. Voilà. Donc c'est ça, elle est rose avec des détails bleu marine, on dirait que c'est noir mais en fait quand on regarde à la lumière c'est bleu marine. C'était livré avec comme une espèce de ceinture mais toute moche, rose comme ça, mais comme un ruban, mais enfin je sais pas où ils veulent mettre ça donc je l'ai enlevé. Que dire? Oui, donc en fait les filles qui avaient un peu de poitrine, elles ont pas pu la fermer derrière, donc elles ont un peu grugé, elles l'ont fermé en haut avec une épingle, mais ça passait très bien. Donc c'est tout fluide et tout, et ça je pense que pour l'été ça peut le faire. Même pour sortir, ça le fait quoi. Alors après, j'ai pris un truc, c'est un peu bizarre. Alors ça ressemble à une chemise, mais ça n'en est pas une. En fait c'est une, comment on appelle ça? Peut-être une espèce de liquette, enfin c'est un t-shirt. Un t-shirt, c'est t-shirt gris devant, et c'est chemise derrière. Donc toujours chemise style bûcheron. Et en fait je l'ai mis pour faire, vous savez, les espèces de cache-cul là, pour mettre autour de la taille. Donc je le mets autour de la taille pour faire un style, j'aime bien. Voilà. Donc après, je sais pas, je trouve que porter ça fait un peu bizarre vu que c'est un t-shirt devant et une chemise derrière. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que pour autour de la taille, en fait, on voit que la chemise et ça fait un effet sympa. Voilà. Donc je l'ai porté pour la danse. Pour la danse, ouais, cet hiver. Et voilà, j'aime bien. Voilà. Après, alors ça, j'adore aussi. C'est un baggy. Alors j'ai pris une très grande taille parce que je voulais que ce soit grand, donc c'est du XL. Parce qu'un baggy moulant ça le fait pas. Alors par contre ouais c'est très grand, c'est à dire si je le serre pas je m'en trouve qu'une nuit 10 secondes après. Et donc il est comme ça avec un truc jamaïcain là au bout et sur la ceinture. Il y a des grandes poches derrière, enfin des poches, je sais pas si... oui c'est des poches, je pense, je sais pas si c'est des trompe-l'œil ou des poches, oui c'est des poches sur... alors je sais pas si on les voit, oui on les voit. Voilà, il y a des grandes poches à l'arrière. Il est tout large, il est resserré donc au pied, il se serre à la taille par un cordon, donc il faut faire attention que le cordon passe pas dans les trous sinon on est mort, et donc faut bien serrer sinon on est cul nu, voilà. Mais j'adore ce truc et j'ai du coup pris le même en noir et ça on l'a utilisé comme costume aussi. D'ailleurs si vous avez vu mon clip que j'ai partagé la dernière fois, c'est ce qu'on porte sur la vidéo. Après, un t-shirt tout simple marinière bleu et blanc avec des petits détails rouges, c'est ça que je trouvais sympa en fait, les petites manches rouges. Voilà, c'est un t-shirt tout simple, il est très stretch et je le trouve sympa. Je l'ai pas encore porté mais ça voilà pour la demi-saison, enfin même si ici on n'a pas de demi-saison, je trouve qu'il est pas mal.
Après, il y a une autre chemise que j'ai pris. Alors voilà, elle est encore froissée. Hein. Elle est aussi en jean. Alors, ça fait jean devant et rayé derrière en voile. On voit aussi à travers. Et par contre, il y a un détail, c'est que c'est coupé sur les épaules. Donc, les épaules sont nues. Il y a aussi un petit bouton sur la manche. Donc, on peut retrousser la manche et la fixer avec une petite patte qui est à l'intérieur. Et donc, voilà, c'est un petit modèle sympa, original. Voilà, bon c'est pas très très bien repassé, c'est pas repassé du tout en fait, hein, mais tant pis. Alors après par contre, il y a des choses que quand vous les voyez sur le site, vous dites « Ah c'est magnifique !» Mais quand vous les recevez, vous dites « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Il y a des trucs que j'ai reçus, j'ai déballé, j'ai dit « What the fuck ?» Pourquoi ? J'ai dit « Qu'est-ce quand ils ont pris la photo, il y avait Joséphine Ange-Gardien, elle a fait ça, ça a fait un truc magnifique, j'ai pas compris. » Mais quand on reçoit, ça fait des trucs un peu moches. Alors bon, ça, on va dire, ça passe encore. C'est un pull, mais bon, la matière est pas terrible. Enfin, ça a l'air de tenir vachement chaud. Avec une tête de mort, je me suis dit, bah, au pire, je le mettrai pour Halloween. Vu que c'est orange et noir, ça va le faire. Donc ça, encore, on va dire, ça passe. Enfin, ça reste un pull orange. Hein, il est bien grand en plus, donc ça va. Donc ça, encore, c'est pas encore le pire flop du truc. Après, j'ai pris un truc, c'est voilà, sur le site ça rendait pas trop mal. Donc sur le site, ça rend ça. Et en vrai, ça rend, on dirait qu'on a pris le pyjama de sa sœur. Enfin, je sais pas, moi je mettais ça quand j'étais petite, les trucs bien grands là, bien larges. C'est ça, ça a pas trop de forme, c'est pas. Voilà. Et puis le motif, je pense qu'il va partir très vite. Bon, c'est pas non plus super moche, mais c'est pas le truc du siècle quoi. Donc à part pour traîner à la maison ou pour dormir, en plus c'est épais quand même, donc pour dormir je pense que ça va tenir chaud. Alors si vous habitez à Lille c'est bien, enfin à Nice c'est un peu chaud. Après il y a une robe que je trouvais super jolie sur le site, j'ai dit ça avec, je sais pas, avec des bottes un peu rock noires et une petite veste en jean, ça peut le faire. Alors ça donnait ça. Mais quand on reçoit ça. Je sais pas trop la forme que ça a, c'est un peu bizarre. Je sais pas si je vais pouvoir mettre ça, c'est vraiment, je sais pas. J'ai pas flashé dessus quand je l'ai vu quoi. C'est un peu, c'est un peu difforme le truc, là l'empiècement il arrive là, ça fait, bon voilà. C'est une robe chinoise quoi. J'ai aussi testé, en fait, avant de commander les costumes en grande quantité, j'ai commandé un exemplaire pour voir à quoi ça ressemblait. Et donc j'ai voulu commenter un espèce de, enfin, comme une espèce de tutu. Alors ça faisait un peu long sur la photo. Donc ça faisait ça. Et j'ai reçu ça. C'est-à-dire que ça, ça doit aller à un bébé de 4 ans. C'est-à-dire que moi je le mets. Je le ferme parce qu'il y a un scratch quand même. Mais dès que je lâche le scratch, bah, il scratch quoi. Voilà, donc bon je sais que j'ai un gros cul, je l'ai déjà dit. Mais bon voilà quoi. Donc ça, peut-être sur la tête ça peut le faire. Voilà, ça fait un mini voile de mariée. Voilà, j'ai trouvé une utilisation. Mais à part ça, je ne vois pas. Et alors le pire truc, mais alors le pire truc niveau vêtements que j'ai pu recevoir, c'est une chemise que je trouvais quand même vachement sympa sur le site. Regardez donc. Mais en fait, quand on reçoit le truc, on reçoit un truc vachement informe. Déjà la matière, elle est vraiment bizarre, c'est tout raide. Et ça fait vraiment blouse, enfin je sais pas. Bon, peut-être que l'image ça rend bien. Je sais pas, vous me direz. Mais en fait c'est tout raide, c'est tout bizarre, il n'y a pas de forme devant. Devant il y a un col tout bizarre. Et tu te dis, mais pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui portent ça? Bon ça c'est une taille L. Mais le tissu il est vraiment bizarre quoi, c'est tout raide quoi. Et je l'ai lavé déjà, donc c'est pas de l'après. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, ce qui est intéressant sur ce site, c'est aussi les bijoux. Parce qu'en fait, il y a pas mal de bijoux fantasy qu'on peut voir d'ailleurs. On voit exactement les mêmes en ce moment qui fleurissent dans des boutiques, des petites boutiques qui s'ouvrent et qui sont à des prix un peu plus élevés, si ce n'est pas le double ou le triple. Donc ça vaut pas trop le coup pour de la fantasy. Voilà, moi je préfère y mettre 2-3 euros. Et avoir les bijoux, bon c'est pas de la super qualité, c'est pas du Agatha, c'est pas du Swarovski, mais bon franchement pour mettre une fois de temps en temps c'est pas mal. Donc voilà, j'ai pris celui-là,
C'est un collier couleur or, il existe aussi en couleur argent. Alors par contre, j'ai oublié de mettre du vernis incolore dessus avant de le porter. Et avec le parfum, ça s'est tout oxydé. Donc je sais pas si ça fait moche, à la limite ça peut faire un effet un peu vintage, je sais pas. Je pense que je vais le tartiner maintenant et pour essayer de le reporter quoi. Ensuite, il y a celui que je porte là. Donc celui-là, je trouve vachement sympa. Pareil, hein, je le vends en ce moment sur des boutiques qui viennent d'ouvrir et ils sont faciles à 10€. Et bon, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on peut le payer sur Dresslink. Voilà, c'est pas de la super qualité aussi, hein, on le tord, on le casse. Hein. Mais pour de la fantaisie, moi je trouve que c'est sympa. Je ne mets pas sous ça tous les jours, je ne me couche pas avec, je ne vais pas me baigner avec et ça va très bien. J'ai du coup pris le même en rose. Alors par contre, en rose, il m'est arrivé avec une dent en moins. Peu cher, il a perdu une dent. Voilà, donc en fait c'est le même. Alors j'ai gardé la dent, en fait elle s'est cassée. Enfin je dis une dent, enfin j'ai perdu la petite pierre là. J'ai essayé de la recoller, je sais pas ce que ça va donner. Voilà, donc celui-là il est rose avec des détails bleus et turquoise. Enfin c'est un petit peu le bleu turquoise. Avec des détails jaunes et turquoise, pardon. C'est un peu c'est les mêmes couleurs que ça mais dans le désordre. Voilà, je l'aime bien aussi, hein, mais bon voilà, avec une dent en moins ça fait bizarre. Après j'ai aussi commandé celui-là, et celui-là bon, voilà, il est original, alors par contre c'est un peu raide, mais voilà, il est sympa, il y a plein de couleurs et tout pour l'été, c'est top, avec juste un haut noir comme ça, ça le fait quoi. Voilà, donc c'est en fait c'est du tissu qui est torsadé autour d'anneaux en métal, hein. C'est tout simple, mais ça fait son effet. Donc celui-là j'ai mis du vernis, hein, parce que j'ai vraiment peur que ça rouille, que ça change de couleur et que ça me tache même le cou, mais franchement pour de la fantaisie c'est pas mal. Il y a aussi ce collier là, donc j'ai encore l'étiquette mais j'ai mis du vernis aussi dessus. Donc c'est un motif ethnique, hein, un peu aztèque. Et j'aime beaucoup ces motifs en ce moment, c'est la grande mode. Et je pense qu'avec un t-shirt uni ça peut le faire aussi, c'est sympa. Voilà. Sinon on peut trouver aussi des bracelets, des choses qu'on peut torsader comme ça autour du poignet avec un bracelet comme un bracelet de montre. Il y a des trucs comme ça avec des bracelets style cuir, bon c'est pas du cuir, hein, mais qui coûtent une misère quoi, ça doit coûter 2€, même pas 1€ et quelques. Et voilà, je trouve que ça fait un petit effet sympa. Et pour le prix que ça coûte, vaut mieux acheter ça qu'en acheter un à 15€ ailleurs quoi. Comme ça on peut en avoir plusieurs pour le même prix. Mon chien d'amour. Donc nous retrouvons Salem qui passe. Salem. Ce chat c'est mon ombre. Ce chat, partout où je suis, il y a ce chat. Il est tout le temps avec moi. Oh mon cœur. Allez là. Maintenant je suis pleine de poils. Une queue. Alors sur Dresslink vous pouvez aussi trouver des pinceaux pour le maquillage. Alors si vous voyez une queue, c'est Salem. Hein. Voilà. J'ai pris un kit de pinceaux, ça ressemble un peu aux étuis de chez Sigma. Alors le chat il va passer, hein, voilà, il fait sa vie. Ça ressemble un peu, donc je disais, au packaging de chez Sigma. Donc il y a plusieurs couleurs, moi j'ai pris noir parce que j'ai dit au moins je m'en lasserai pas. Donc ça se ferme avec des boutons pression. Voilà, il s'est couché là mais là on le voit pas. Il y a un petit chat là. Donc ça s'ouvre comme ça, je les ai pas encore lavés donc ils sont encore emballés. Donc il y a un pinceau poudre comme ça, bon, il n'est pas énorme, c'est pas très très dense, mais bon, c'est... Ah mais ça perd grave les poils. Ouais voilà, ça perd beaucoup les poils, il y en a plein de la table. Ok, bon voilà, vous avez toutes sortes de pinceaux, celui-là il a l'air mieux. Ouais il perd pas les poils celui-là. Il y en a combien dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, vous avez 10 pinceaux qui sont emballés comme ça. Ça sent un peu le chinois. Mais bon, c'est quand même. Enfin, je vais regarder s'ils perdent tous les poils. Non, celui-là, il perd pas les poils non plus. Bon, voilà, par contre, c'est pas. Ah, si, ça perd les poils. Bon, bref. Faut pas prendre ça. Alors, ma mère, elle a commandé un autre kit. C'est un kit qui s'ouvre comme ça, qui se déroule là. Et ces pinceaux-là sont mieux, hein, apparemment. Donc là, celui-là, il perd les poils aussi. Mais je pense que dans les petits, ça doit pouvoir le faire. C'est peut-être les gros qui sont dégarnis du poilu. Mais les petits, non. Bah, celui-là, il y a un duo fibre là. Ah, il est doux, celui-là.
Ah, le biofibre, il a l'air bien. Il est tout doux. Et il ne perd pas les poils. Et il n'a pas encore de calvitie, celui-là. Bon, enfin, voilà. Donc, du coup, il y a plusieurs tailles de pinceaux. Et bon, je vais tester tout ça, on verra bien. Enfin, franchement, pour ce que ça coûte, je vous assure, ça coûte une misère. Quand on voit que ceux de chez Sigma, je crois que ça coûte facilement 50 € la boîte comme ça. Je sais plus le prix, hein. J'ai dit 50 € au pif, mais il semble que c'est pas loin de là. Et bon, moi, je pense que pour ça, bon, après, voilà, il y en a à prendre et à laisser. Mais c'est quand même pas mal. Voilà en ce qui concerne le site Dresslink. Donc si vous voulez essayer de commander, alors je ne suis pas du tout partenaire pour faire des vidéos avec Dresslink, ils ne m'envoient pas la marchandise gratuitement, je ne suis pas encore assez célèbre. Mais bon, par contre, j'ai une convention avec eux pour payer un peu moins cher parce que je commande en grosse quantité. J'ai commandé les articles par facile 30-35, donc hein, voilà, j'ai un peu négocié. Mais quand même, les prix sont très bas et il faut juste faire attention aux frais de port et aux frais de douane parce que bah, c'est ça qui nous tombe sur le coin de la tronche quand on ne s'y attend pas. Parce que j'ai eu des frais de douane jusqu'à facilement 85 €. Hein. Donc c'est pas rien. Donc quand on se dit on s'en tire bien, quand on paye 85 € à côté, ça fait bobo ou cucu, comme on dit. Hein. Voilà, donc si vous passez par China Post, c'est nickel, c'est plus long, mais voilà. Alors, un petit inconvénient, j'ai oublié de le préciser, il faut faire très attention parce que quand les produits sont en rupture de stock, ils ne préviennent pas. Donc on va recevoir la commande partielle sans explication, on ne sait pas pourquoi, on nous dit rien. Alors j'ai l'impression qu'ils ont amélioré ça sur le site parce que dernièrement j'ai passé une commande et j'ai reçu un mail disant que l'article que je voulais était en rupture. J'ai même reçu 10 fois, donc au moins maintenant ils préviennent 10 fois. Mais sinon, ça m'est arrivé de recevoir la moitié des costumes, même pas le tiers des costumes et pas le reste. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon petit téléphone et j'ai téléphoné en Chine. Et j'ai dû parler en anglais avec une chinoise. Et c'était comme ça. Donc franchement, ça va, on s'en est sorti. Et là au moins j'ai pu avoir les infos sur ma commande et j'ai pu avoir ma commande aussi, le reste de ma commande en passant la commande par téléphone avec elle et tout ça. Mais enfin voilà, c'est quand même un peu chiant de devoir faire ça pour récupérer ces articles. Surtout que moi j'en attendais quand même une trentaine, j'ai dit si j'en reçois 10, j'en fais rien quoi. Il aurait fallu que je change tout, enfin c'était vraiment l'horreur pour moi. Mais j'ai tout reçu à temps parce que j'ai eu Rita au téléphone, elle a été comme ça et donc... voilà, au moins ça s'est arrangé, après on a pu échanger par email et tout, donc ça va. Par contre, ma mère, elle, a passé une commande, elle en a reçu qu'une partie, et elle attend toujours la suite, et c'était au mois de mars. Donc là, nous sommes en juin, vous voyez que ça tarde un peu, j'ai relancé, ils ont dit que c'était parti, mais j'ai rien vu, donc là je vais relancer à nouveau, on verra bien. Mais franchement, sinon moi, j'ai jamais eu de soucis, à part le fait que voilà, j'ai reçu ma commande partiellement, et que j'ai dû téléphoner pour avoir la suite. Sinon, les fois où il y a eu des produits vraiment en rupture qui n'ont pas reçu, j'ai eu le remboursement par PayPal, enfin il n'y a pas eu de souci, donc pour ça ils sont sérieux, donc il n'y a pas, enfin, vous pouvez commander sans crainte, je pense qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, moi j'ai quand même eu de la chance dans mon malheur, mais parce que j'ai commandé vraiment en grosse quantité, donc je pense que vous, si vous commandez un article par un article, enfin les articles en un seul exemplaire, je veux dire, ça va. Voilà, en plus c'est quand même de la qualité pas trop mal. C'est du chinois, mais voilà, on le sait, hein, mais il y a quand même des trucs, moi je trouve c'est quand même pas mal, quoi. Voilà, voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je ferai mon possible pour y répondre au mieux. Que dire de plus, si j'arrive à avoir des codes de réduction pour Dresslink, je vous les mets en barre d'infos. Je pense en avoir quelques-uns, je vais essayer de les mettre. Voilà, je crois qu'ils ont des promotions en ligne actuellement, donc vous pouvez voir directement en allant sur le site. Sinon, ben voilà, je vous laisse aller visiter le site. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et comme dirait Valérie, au revoir. Change de décor. Yeah.